Parce que aussi, il faut dire qu'on a parlé de bien-être. Le bien-être physique. Et le bien-être de l'argent. Ça, c'est ça. Le bien-être financier. Personne du troisième âge, comment allier maladie handicapante et bien-être? C'était le thème de la sensibilisation sur le handicap initiée par la Fondation internationale Tierno et Mariam Fitima au profit des personnes du troisième âge, ce 23 juin à la maison des retraités Antoine Nanga, 6 à Gounguin. Parler s'adresser aux personnes âgées aujourd'hui et parler de comment allier handicap et bien-être, c'est dans le sens de la prévention et ça rentre dans le cadre des activités de Fitima. Et au niveau du pôle développement communautaire, c'est vrai qu'on s'occupe des enfants, mais notre public cible aussi, c'est les personnes âgées parce qu'elles sont concernées aussi par le handicap. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a décidé de nous adresser aux personnes âgées aujourd'hui. Chez les personnes âgées, la question du handicap est très fréquente. Mais on peut vivre avec ce handicap tout en restant heureux, précise le docteur Louis-Sylvain Ouedraogo, médecin gériatre. On sait très souvent que l'on retrouve des personnes âgées avec soit un handicap moteur, soit un handicap sensoriel ou un handicap mental. Donc aujourd'hui, on a essayé d'échanger là-dessus, mais surtout aussi dire que malgré les handicaps, on peut quand même rester en bonne santé, être heureux et bénéficier du bien-être. En médecine, on aime dire qu'il faut prévenir plutôt que de guérir. Donc la prévention, c'est notre cheval de bataille en gériatrie. Et les conseils, en tout cas, j'essaie de rassembler tous les conseils là en 8 piliers que j'ai appelés les 8 piliers de la longévité. Donc à savoir la nutrition, l'activité physique, l'activité intellectuelle, la respiration, le sommeil, la méditation, l'activité sexuelle, la sociabilité, la résilience, c'est tout ça qu'on doit mettre en place pour pouvoir avoir une longévité la meilleure possible et sans maladie. Les bénéficiaires de cette formation louent l'initiative de la Fondation. Le sujet, il est intéressant et tout le monde souhaite avoir donc des rencontres de ce genre. Le thème dispensé par le gériatre, là, vous voyez l'attention que ça a retenu. Ça veut dire que c'est vraiment un problème que nous vivons. Le gériatre est une personne qui s'occupe de la santé des personnes âgées. Au Burkina Faso, on n'a qu'un seul gériatre pour près de 1 million de personnes âgées. Ce qui rend pas facile la prise en charge de ces personnes. Boima TV, l'autre télé, by Pro Org.